Salut tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog! Oh, je viens juste de me coller. Je viens juste de me lever, c'est pour ça que j'ai les yeux collés. C'est ça que je voulais dire. Donc là, on est vendredi. Jour de tempête! Ouais! Donc pas d'école. On criera pas trop fort qu'on est content. Mais non, moi de toute façon, je pense que j'aurais pris la journée. Parce que c'est ça, avec mes devoirs et tout, quand j'en sens le besoin, comme je prends une journée. Puis, c'est ça. Donc, il est vendredi. On est le 7 ou le 8, en tout cas. Puis, c'est ça, il est 8h10. Et je m'excuse, je suis vraiment... Je me réveille là. OK, ça, il est 8h10. Je m'avais réveillée au début, mais... Mon français s'en est dans le lit, on écoutait des vidéos. Et j'ai trouvé une vidéo sur Facebook de mes amis qui l'avaient sharé. C'est une petite cocotte qui fait let it go dans la neige de oh, non, non, trop cute. Puis je trouvais ce concept là parce que tempête. C'est trop mignon. Comme si j'ai une petite fille, putain, puis elle aime let it go, comment on va faire ça dehors? Mais ouais, c'est ça. Donc, je souhaite un bon matin. Même si vous, c'est pas le matin. Vous savez que j'ai de la misère avec ces affaires-là. Matin, soir, peu importe. Oh. Oh. Ouais, donc c'est ça. Je voulais juste commencer un vlog aujourd'hui. Ça me tentait. Parce que là où est-ce que je vous parle aujourd'hui, vous vous êtes rendu à votre deuxième vlog de Disney. Mais quand vous allez voir celui-là, il n'y aura plus de vlog de Disney, ils seront tous sortis. Donc, je trouvais que c'était comme long avant que je vous parle, so je me dis, ah, je vais rien commencer. Puis le verre après. T'arranges pas. Vu que c'est une journée de tempête, je vais avoir le temps de vous jaser, puis je vais vous apporter dans ma journée. Ça va pas être une grosse journée, là. Je vais faire ma to-do list tantôt, mais je pense que je suis pas mal alignée, là. Premièrement, je vais faire mon lit. Deuxièmement, je suis allée faire un beau déjeuner pour moi et mon bébé. Ça me tente de manger un déjeuner à la Charlotte. Oh, je m'excuse. Ça ne marche pas avec ce dos-là parce que vous voyez mon dos. À la Charlotte, c'est une fille sur YouTube que j'écoute, que je suis sur Instagram. J'ai déjà parlé d'elle une couple de fois. Puis elle se fait souvent des omelettes avec des petites patates. Puis là, ça m'a comme donné le goût de manger ces petites patates-là. C'est, ça avait l'air bon. Sur le hier, je les ai trouvés sur Frenette, j'étais contente. So, je vais me faire des petites patates et des omelettes pour moi et mon petit babe. Puis là, bonne nouvelle, update, la cave s'en vient vraiment bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Mais là, ça s'en vient. Comme on a eu une éducation que notre sofa s'en vient de Léonce. So. Ce soir, on va écouter un film dans la cave. Ça, c'est pas mal ça. Je m'en vais faire mon lit, le déjeuner. Puis, je vous reparle après pour vous dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que tu veux dire bon matin au vlog? Bon matin. Bon matin. Donc, on se reparle plus tard. Bye. Là, c'est ça, votre petit camion. Il y a beaucoup d'épinards, puis il n'y a pas beaucoup d'œufs. Parce qu'on avait juste un œuf de riz. Deux œufs de riz. So, on aura juste un mini peu d'omelette. Là-dedans, je vais ajouter mon ail herbe de piqûre. Puis peut-être mon ail rouge. Sur le petit bacon qui est en train de cuire, bacon de dinde. Puis c'est ça, les petites patates que je vous parlais. Et lui, les petites patates normales, c'est que on m'a donné le goût de manger ça, j'en ai. C'est juste des petites patates, là, juste coupées en mini-cubes. Mets ça dans l'huile, avec, revenez-y dans la panne avec de l'huile, sel, du poivre. Moi, je vais ajouter des épicures. Épicure your life. Puis, moi, sur mon omelette, je vais nous râper du avanti. Je crois que je vais mettre de la sriracha aussi. Je vais me faire un petit mix de ça pour mettre à côté avec les patates. On va se couper des belles fraises, peut-être du yogourt.
Donc, je vous montre ça. Donc, on a terminé. Ben, je vais avoir terminé. Des omelettes. C'est vraiment rare que je fasse ça, moi. Regardez-moi l'omelette brûlée, mais regarde, c'est la vraie vie. C'est une petite patate, du yogourt, du bacon d'Inde. Puis, on va aller écouter ça dans le salon avec la mouille d'après. Moi, je vais me rajouter ça un petit peu, un petit mix de ça et ça pour mes patates. Donc, là-dessus, bon matin. Puis, je vais aller prendre un gorgée de café. Non, non. On va prendre pour un. Ok, j'arrête. Ouais, j'ai réalisé que tantôt, je vous ai comme... oublié de vous dire quelque chose. Donc, j'ai juste dit les tout ça, mais je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé cette semaine. C'est trop drôle. C'est en cause que... Non, c'est pas trop drôle, c'est trop le fun, je veux dire. C'est ça, on a pas mal acheté toutes nos mêmes, nous autres, au Léant. Parce que l'été, les Scratch... J'allais pas dire Scratch and Sniff, là, comme les petits collants à l'école, non. Comme, en tout cas, le gratter quelque chose, puis épargner, là. Puis on avait eu vraiment des bons deals, donc on était contents. Puis là, on voulait pas, genre, dépenser le gros budget, là, pour le sofa en bas. Puis, c'est ça, il restait de l'argent de la Floride, pas dépensé. Donc là, on a dit, ah, ben, on va aller au Léon de liquidation, là, genre, loin, là, comme passer le House of Lee, genre, là. Désolée, la luminosité est comme bizarre. Passer le House of Lee, là, je sais pas si... Ben, probablement, vous connaissez ben, le monde qui reste par ici, là. En tout cas, il y a souvent des bandits, là. C'est soit... pour ceux qui connaissent pas ça, c'est genre... C'est comme une extension de Léonce, mais exemple, notre sofa, il y aurait eu des graffinus ou un spring de cassé. Ben, tu sais, il serait là-bas. So, je vais vous dire les prix, là, parce que, on se cachera pas, là. Vous savez c'est quoi des prix de sofa, là? Peut-être pas, mais en tout cas, il y a rien... Il y a pas de... cachette, là. C'est juste exemple, notre sofa était 2200, je crois. Mais, comme le sofa de la cave, je parle. Puis, il a été là, parce que si on regarde comme il faut, genre exemple, le coussin ici, puis l'autre coussin. C'est pas celui-là, mais exemple, l'autre sofa. Il y a un sofa, il y a une couleur qui était genre plus grise comme ça. Puis l'autre est un peu plus foncé ou un peu plus pâle, mais genre, ça paraît zéro, là. Puis nous autres, avec le setup de light que Francis a mis en bas, là, ça paraîtra pas. So, il y avait ça. Il y a une petite graffinure sur un bas de sofa. Puis, il y a un spring de lâcher. Genre, comme quand on touche ici, il y a comme une bosse. Puis, quand tu t'assures, ça fait comme une bosse. Ben, moi, je trouve que ça fait comme un massage si on bouge notre cuisse. Ben, de toute façon. So, là, on a passé 2300. T'es arrivé là. C'était 800$. Selon le c'est vraiment bon pour un sofa. Puis c'est un gros sofa, il est genre 4-5 places en L. Puis on peut même comme tirer sur quelque chose pour mettre nos pieds. Puis là, quand on tire encore, ça fait un lit. Donc on trouvait ça vraiment pas cher pour le sofa. Puis là, il dit en plus, ceux-là qui travaillent là, il dit en plus aujourd'hui, il y a un jeu, comme c'était pour la semaine là, je crois. C'est terminé, mais je vais pas me prononcer là-dessus, là, si jamais aller voir. Je vais juste prendre une petite gorgée. Prendre un moment pour ma tasse. Je sais pas si je l'ai déjà partagé. Non, je pense pas. J'ai jamais partagé dans mes blogs, parce que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivée. Mais regardez!
C'est genre la plus belle tasse de Mickey pour matcher avec la maison. Comme on va un moment. Comme en Floride, il y avait la collection au complet de cuisine comme ça. Je voulais tout avoir. Oh, mais c'est valable dans les paquets. J'avais peur que ça se casse. Bon, ok, bref. Le monsieur Léon, c'est ça, il dit un jeu de cartes. Puis là, chaque carte que vous pigez, c'est un différent pourcentage. Genre, exemple, tu piges le 2, c'est 2%. L'exemple, tu pisais l'âge, je vous dis comme ça, 15%. Tout ça. Ça, c'était 2 à 15%. Puis il y avait un joker dans le paquet. Vous voyez venir, hein? Un joker dans le paquet, puis le joker là, c'était 50%. Le monsieur brosse les cartes, il met sur le comptoir. Francis ouvre le paquet en deux, prend la carte. Genre, c'est... il y a eu zéro moment d'hésitation. Comme le matin, quand je choisis mes robes, je pense plus que ça, tu sais. Vous dire que, tu sais, pas du tout. Ça n'a vraiment pas rapport à ce que je viens de dire. Mais c'était juste pour dire qu'il n'y avait pas eu d'hésitation. Peu importe. C'est ça, il prend la carte. Et là, moi, le cri. Ah! Malade! Et là, le gars, il dit non, pas vrai. Là, j'étais comme oui! En tout cas, ça, là, c'est ça, on a eu notre soif à 50%. Ça, ça a revenu à comme 400$. En tout cas, on était pas mal excités. Ça, c'est ça, il arrive aujourd'hui. Il pouvait juste le livrer comme la semaine d'après. Donc, c'est ça, ça va être notre première soirée comme cinéma en bas dans la cave. C'est pas tout terminé, mais je vous ferai quand même un petit update de qu'est-ce que ça ressemble. Donc là, il y a environ, je dirais qu'il est comme rendu 10h. Terminé la mouille dans le pré. Il y a des petits rapprochements qui commencent. Le Hugues niaise pas, hein? Mais ouais, en tout cas, j'adore moi la mouille dans le pré. C'est comme j'avais dit dans les autres vlogs, c'est comme une passion double. T'sais, on s'entend que c'est pas le même genre, il y a pas de drama, il y a pas comme, mais c'est comme c'est la vraie vie là, comme les autres ils ont des familles puis des enfants, moi je trouve ça cute au bout. So, c'est ça. J'écoutais ça. Là ensuite, je vais aller faire la vaisselle, je vais aller ranger. Francis a fait le lit, trop cute. Ensuite, je vais aller. Il y a un lavage que j'ai mis dans la sécheuse ce matin. Ça, je vais aller plier ça. Ensuite, je vais en mettre un autre. Ça va être comme une petite journée de lavage. Je pourrais faire un petit ménage, mais je crois que ça va être demain. Ou dimanche. Parce que là, les plantes, je vais vous dire. Je vais peut-être à Moncton demain. Moi puis mon chum. Mais genre, toute la famille à Francis. Puis si ça arrive, c'est genre vraiment rare qu'on ait toute la famille. Comme au loin ensemble. Comme c'est impossible. Moi, je soigne, il croit quand je vais être là. Parce que c'est la soeur. C'est ça, c'est la fête à la soeur, mon bébé. Ça, c'est la fête à ma belle-soeur. Puis, elle dit, oh, ce serait le fun. Elle dit qu'on irait toutes à Moncton. Puis qu'on irait, tu sais, souper comme pour la fête. Puis ça. Ça, c'est comme, oui, ça serait le fun. Mais genre, sa mère, son père, mon bébé, moi, les enfants. Ça aussi, ça arrive. Ça va être comme vraiment le fun. J'ai hâte de voir. Ça va dépendre, par exemple, de la neige qui est dans le chemin demain. On se mettra pas en danger pour aller, là. Ouais. Ça aussi, c'est ça. On décollerait dans l'après-midi. Sauf demain, je pourrais faire mon ménage. Mais là, je suis en train de penser que probablement plus dimanche, je le ferai parce que ça va comme sentir bon comme pour commencer la semaine. Tu comprends? Donc, c'est ça. Sinon, aujourd'hui, ça va être une journée devoir, slash relax, slash lire, slash tempête. Ça, c'est comme, tu sais, une petite journée cosy. Ce soir, c'est souper fondu. Ouais. Je savais que ça allait être une tempête aujourd'hui. So, hier, j'ai tout acheté les choses pour manger une fondue. Ben excité. Puis, ouais, on va bien écouter ça avec un petit film. Je pense qu'on va la faire en bas, par exemple. Ça va être compliqué de tout apporter ça jusqu'en bas. Mais, non, ça, c'est ça. Donc, je vous apporte avec moi dans mon petit planning. Thank you.
my god, il est déjà passé pis tout. Oh oui, en deux secondes. Nice. Oh là, on va mettre en disant que ah, c'est ça, je vous disais, comme les petites. Les affaires, là, on peut tirer. Francis pourrait faire une démonstration. Là, c'est un vrai homme, il est en train de passer la mob juste là. Passer en marché. Ah, mais c'est trop fun! Regardez ça! Donc là, on tire. Puis là, ça fait comme un beau petit support à pied. Puis là, quand tu tires encore, comme là, comme Francis est en train de faire, comme ça. Là, ça fait un beau petit support à pied. Puis là, tire une autre fois. Une autre fois? Oui, pour faire le lit. Non, c'est ça, je dis. Hein? C'est ça que ça fait. Ah, c'est ça qu'elle amène là. Cool! Vraiment nice! Puis ça, ça sauve aussi mon... Là, au bas. Non, là, je suis avec la tire. Ça? Oui. Puis là, c'est comme du rangement. C'est déjà pour 400$. Hé, si je vous ai compté l'affaire du Joker. Hé, hey, ça va être un beau sofa, ça, pour relaxer le soir. Trop le fun. Ça, c'est ça, je disais, moi, ça a l'air que ces deux-là, sont pas la même couleur, mais genre, on pourrait jamais dire, là. Oh, pas ça. Puis juste là, là, comme il y a comme une petite boîte, je sais pas si vous voyez. Mais, genre, il y a comme un petit spring de lâcher, mais on pourrait jamais dire. On est trop pesant pour le sentir. C'est ça. Hey, ben c'est trop le fun. Ça va nous faire une belle place. Ça, là, il va juste manquer à faire un gros ménage partout. Puis c'est presque prêt. Je pourrais faire un grand reveal. Non, je vais aller continuer le lavage. Wouhou! Je suis toute prête pour faire mes devoirs, être productive, go go go. Donc regardez premièrement ma belle bouteille de Starbucks, juste comme ça. Ça a une bouteille de Starbucks bien simple. Et oh, oh j'ai même tort. C'est tous les parcs de Disney Solana, Magic Kingdom. Puis c'est tout genre des dessins des manèges un peu qui est là-bas. Là. C'est trop cute. Ensuite là c'est Animal Kingdom. Après là on est en Hollywood Studio avec le Slinky là trop cute. Puis là en dernier on a Epcot. Donc là j'ai mon ordi. Ici j'ai mon agenda. En début de semaine, genre le dimanche, je me fais toujours une carte comme ça pour genre ma to-do list. So là. Ah, j'ai oublié d'ajouter ma journée là. J'espère. En tout cas, bref. c'est ça, je me fais toujours une to-do list. Là, j'ai déjà coché des choses. Là, il me reste quelques petites choses à cocher. Ah, oh, il y en a, j'en vois une que j'ai pas cochée. Donc, c'est ça. Il va me rester genre un module 3. Donc, j'ai déjà commencé. Il va me rester des petits devoirs à faire avec ça. J'ai un travail à remettre lundi. Comme un premier projet. Commencer, j'arrive à terminer. Ensuite, je vais cocher ça tantôt. Semaine d'évaluation. Ça, je crois pas que j'ai. En tout cas, je vais voir, mais c'est facultatif. Donc, on n'est pas obligé. Ensuite, il me reste à écouter un cours que j'ai manqué en Floride. Ensuite, mon montage pour que ma vidéo soit en ligne. Ben, moi, c'est demain. Là. Vous, c'est.
ça, en tout cas, vous l'aurez déjà vu. Ensuite, c'est ça, je vais regarder s'il y a deux devoirs. Des fois, j'oublie les choses. Donc, je vais faire un petit tour là-dessus. Donc, j'aime ça, je vais me faire des petites checklists de ma semaine. Puis, c'est ça, là, quand c'est le mois. Comme là, c'était un nouveau mois que j'ai commencé, j'avais mis des petits collants. Donc, je m'amuse avec ça. Ensuite, ça, c'est mon cartable de notes. Donc, ce cours, ce semestre-ci, j'ai 3 cours. Donc, c'est parfait. Parce que mon cartable est divisé en 3. J'adore ça. Donc, là, j'ai besoin de ce cours aujourd'hui. Donc, je vais le tourner. Ça, c'est un livre pour un de mes travaux. Et j'aime toujours travailler avec un diffuseur. Donc aujourd'hui, là, je fais. J'ai mis dedans On Guard, non, Deep Blue, puis à l'orange, le Wild Armin, je crois. Puis c'est ça, moi, chez les Doterra. C'est mon amie Camille que vous avez acheté mon amie Camille à l'université l'année passée. Ou l'année d'avant. Ouais, l'année d'avant. Mais là, j'aimerais me procurer un diffuseur. Ça s'en va. Vitruvi ou quelque chose comme ça. En tout cas, je le trouve super beau. T'sais, je suis plus attirée par l'apparence, là, on dirait. Lui, je pourrais très bien le rester dans mon bureau, puis j'en mettrais peut-être un autre. En tout cas, je sais pas. Peut-être lui, je pourrais l'apporter dans ma future classe. Puis j'en poignerais comme un beige, un petit rose, là, comme que je vous dis que j'aimerais. C'est ça, c'est Vitruvi. Ou... Ah, mais je peux peut-être vous le montrer, là. Je le vois souvent en ligne sur Instagram. En ligne sur Instagram. Allô, la manière de parler. Vitruvi? C'est ça? Oh oui, c'est ça. Oh my god, regardez-moi la beauté. En tout cas, donc, je vais arrêter de rêver à mon diffuseur. Puis, je vais m'activer. Donc, on se reparle quand je vais avoir coché plein de choses sur ma liste. Go, go, go! Donc, c'est ça. Puis moi, je vous suggère d'avoir une grosse bouteille d'eau. Quand on fait des études, je sais pas, moi, ça me... Je sais pas, c'est froid. Bon, on dirait que ça rend comme mon intérieur froid. On dirait que ça me motive. C'est niaiseux, là, mais on dirait, je sais pas, j'ai de la misère à faire des devoirs sans de l'eau froide. Je sais pas pourquoi. Donc, là-dessus... À plus tard! S'est parlé, c'est peut-être genre 2h30 passées. Je peux regarder là spécifiquement, c'est parce que mon diffuseur, j'avais appuyé sur le mode 2h. Donc, je savais que quand il allait s'éteindre, ça faisait 2h. Puis après 2h, c'est comme le temps de prendre un petit break. Donc, puis aussi, je commençais à avoir faim parce que c'est ça, il est 1h15. Donc, je vais aller me faire un petit dîner. Entre-temps, à part d'avoir terminé mon travail, ben c'est ça, Léon est arrivé, je vous avais montré tantôt, mais là, il est tout installé. Mon chum est en train de continuer la cave. Mon père est venu m'apporter des coussins parce que ma mère, il y a des coussins qu'elle n'utilisait plus. Donc, on va les mettre en bas, puis ça match avec son jaune, genre moutarde. Puis sur nos murs, on a comme des bois, jaune moutarde, ça va être parfait. Puis, c'est pas mal ça. J'ai terminé un travail. Oup, oup. Puis, ça m'a fait penser parce que mon amie m'a appelé tantôt. Je voulais vous parler justement d'une application que j'utilise. Ça fait quand même un bout. Là. J'avais vu ça passer sur Instagram. Je me souviens plus trop quand. Là. Puis, ça s'appelle Forest.
là, je peux comme pas vous le montrer sur mon téléphone, mais j'ai ouvert sur mon ordi. Ça, je vais vous le montrer. Mais dans le fond, c'est ça. C'est une application que tu mets sur ton téléphone pour t'aider à te concentrer, à étudier, tout en faisant genre une bonne action. Ça, je vous explique. Ça, ça s'appelle Forest. Donc, exemple que je décide d'étudier comme intense pour 30 minutes sans toucher mon téléphone, OK? So là, je fais genre sélectionner 30 minutes sur l'application. Puis là, ça, dans 30 minutes, j'ai genre un arbre qui va pousser, OK? Mais là, si j'ai un appel ou si je sors de l'application, comme l'application va savoir, elle va dire « Faites attention, genre votre arbre va mourir, par exemple. » Mais vous n'êtes pas obligé de rester votre téléphone ouvert là, pour faire manger votre batterie. Là. Vous avez juste besoin d'avoir votre application. Là, vous fermez, vous mettez de côté, puis là, vous ne le touchez plus. Puis là, vous allez avoir genre une notification quand que ça va être 30 minutes ou comme. Quand votre 30 minutes est écoulée, bien là, vous allez avoir un arbre de poussée, par exemple. Puis vous allez avoir comme accumulé des points, comme des de l'argent. Puis quand vous allez avoir 2500 c'est comme de l'argent sur l'application, bien, vous allez être capable de planter un vrai arbre. So, je trouve ça vraiment cute. Puis j'avais parlé de ça à mon amie à Guérette cette semaine. Puis là, tantôt, elle m'a appelé, elle dit « Je peux pas croire, elle dit, je t'appelle pour une bonne cause. » Puis elle dit « Là, mon arbre va mourir. » Là, j'étais comme « Oh my God, t'as téléchargé l'application. » So, je crois que ça coûte 2 et quelque chose. Par moi, je m'en souvenais plus, là, ça faisait longtemps que je l'avais. Puis, c'est ça, l'autre fois, Garrett et moi, on avait regardé. C'est genre 2,95, je crois. Mais je trouve ça quand même cute. Puis, on peut voir comme le nombre d'arbres, là, ils sont au-dessus de 600 000. Là. Au début, je savais pas si c'était genre comme legit. Mais on peut vraiment voir des photos, puis c'est vraiment... tout le monde approuve, puis en tout cas, donc je vais vous montrer ça. C'est... Puis, je me dis, hein, pourquoi pas, on est toutes là des fois à rien faire, puis... Mais pas rien faire, mais je veux dire, comme quand on fait nos devoirs, pourquoi pas juste mettre ça sur nos téléphones, puis c'est genre comme, c'est une bonne action. Puis, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je le fais juste pour mes devoirs. Mais je vois ici, là, que c'est juste, même quand t'es avec des amis, tu sais, quand on est au restaurant ou peu importe, on peut juste mettre ça sur notre téléphone, on est juste là, on jase, puis ça fait de l'argent, ça nous bâtit comme une forêt, ça dit. Puis, dans le fond, c'est pour planter des arbres. Ça, vous n'êtes pas obligé d'être aux études pour le faire, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vous tourne de bord, je vous montre ça. Là, donc, c'est ça s'appelle Forest. Stay focused, be present. So, là, c'était ça, c'était l'exemple avec 30 minutes. Là. Mais tu peux mettre 1 heure, 2 heures. Ça reste à vous vraiment comment vous êtes, on va dire, discipliné. Parce que moi, des fois, quand je mets trop longtemps, là, j'ai de la misère. Parce que je suis tout le temps comme un massage ou quelque chose, puis je vais aller voir, puis là, ben, mon arbre n'a pas la chance de grandir. Ça, c'est ça. Ça commence comme ça, là, vous allez le voir comme pousser. Puis là, à la fin, votre arbre va ressembler à ça. Puis, ben, quand tu quittes l'application, ben là, tu vas voir ça. Puis là, quand tu regardes ta forêt, ben là, tu sais, comme moi, j'en ai une coupe comme ça, parce que des fois, je ne le finis pas, là. Ensuite, c'est ça. Tu peux comme faire grandir dans ta forêt. Ensuite, ça, ça te donne des exemples. Comme là, quand je fais mes devoirs, quand t'es à la bibliothèque, là, c'est ça que je trouvais cute. Quand t'es avec des amis, quand juste comme. Ou même quand t'es juste à la maison puis tu veux pas être sur ton téléphone, si tu fais de la lecture, si tu fais un souper, peu importe, ça peut être n'importe quand. Puis donc, c'est ça, il y a 600 000, mon Dieu, j'ai dormi de la misère, quoi, c'est ça. Mon cerveau est comme en compote. 651 000, mon Dieu, j'ai dormi de la misère. Allô, mine la prof, là. 651 872 arbres de plantés. Puis, sur l'application, comme sur notre téléphone, on voit vraiment des photos des gens qui sont en train de les planter avec comme le logo de cette application-là. Donc... Puis là, on voit plein de commentaires. Puis en tout cas, j'ai fait des petites recherches. Ça a l'air... C'est pas mal legit. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Puis c'est obligé qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent avec le gros montant d'arbres qui est planté. Donc, c'est ça que je voulais vous partager tout de suite.
ça, je disais, c'est ça que je voulais vous partager avant d'aller me faire un petit dîner. Ce matin, c'est ça, j'avais fait le déjeuner à la Charlotte. Mais là, je le fais le déjeuner à la mine. Ça va être mon dîner, là. Le déjeuner que je me fais souvent là, la fin de semaine. Oh my god. Moi, c'est plus. Je pense que ça va être plus le mien que je préfère. Parce que j'aime ça avec les avocats. Pis... En tout cas, mais j'ai bien aimé les patates. Tout ça, c'est juste que ça aurait peut-être aidé si mon omelette n'aurait pas été brûlée. Faudrait que je pratique mes skills d'omelette. Donc, ouais, c'est pas mal ça qui se passe. Je vais être capable de cocher une chose sur ma liste. Je suis pas mal contente. Puis, ça. À plus tard. Regardez mon chef-d'œuvre. Noum, noum, noum. Je m'excuse si je suis tannante avec mon déjeuner, mais je vous jure, j'adore. Tu sais, comme quand t'adores quelque chose, t'as hâte de manger, genre. So, là, bagel. Ensuite, je prends toujours la mayo là que je trouve chez Frenette. C'est mayo chipotle. Moi, j'aime ça épicé. C'est pour ça que j'ai hâte, tandis que je parle épicé, là. Moi, je sais pas si vous avez vu passer les gens de chez nous, chez Pizza 13, au bout de la gueule, là. Il y a un nouveau challenge le mercredi. C'est le challenge des ailes piquantes. Genre, t'as 8 ailes. C'est de 1 au plus épicé, genre, exemple. Ça, là, les deux dernières, là, c'est terrible. Ben, moi, je tolère vraiment la chaleur. Comme exemple, au Saint-Louis, une fois, je suis allée puis j'ai pris les plus fortes, genre c'est suicide ou quelque chose comme ça. Le serveur était comme non, tu vas pas comme pouvoir. Non, j'ai tout mangé, genre il y avait ben je sais pas là, une coupe d'ailes, 6 ailes, 7 ailes. Tu sais, j'avais chaud puis comme ben c'est un sentiment comme d'inconfort que j'aime. En tout cas, j'étais bizarre, mais je suis vraiment excitée d'aller essayer ça. J'aimerais peut-être aller mercredi. Qui s'en vient, puis c'est tu vas filmer ça. Puis il y a même un concours, genre si on se filme, on peut. Ben, surtout pour les deux dernières, on peut gagner une pizza ou quelque chose comme ça. En tout cas, reste à l'affût, ça va probablement venir. Vous allez me voir sur de la face. Parce que ça, quand je mange du chaud, genre je suis des porcs. Mais j'aime ça. Ça, c'est ça, la mayo. Ensuite, je mets toujours le bacon de dinde sur la mayo. Après, sur le bacon, je mets des avocados. Après, des scrambled eggs. Ensuite, je mets le fromage que j'ai, là. Là, j'ai mis du avorti aux tomates séchées. Après, je mets de la sriracha, ail et herbes d'épicure. Puis là, j'ai mis ail rouge aussi. I love it. Avec ça, je vais me faire... je me suis fait bouillir de l'eau. Puis, en passant, si vous me suivez sur Instagram, j'étais comme... contente, genre. J'étais comme, oh! Smeg, les ces articles-là, là, la compagnie. Ben, celui du Canada, genre, il y a la grosse page. Après, chaque, comme, petite page. Puis là, ils ont partagé une de mes photos. Je trouvais ça comme buzzant. Bref, c'est ça. Je me suis fait bouillir de l'eau. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Bon, ma cousine, elle s'avait fait une commande. Puis là, j'étais partie en Floride. C'est elle qui avait reçu la commande. Je me suis commandée, j'ai fait comme un hack de David City. Pourquoi payer 45 un calendrier quand on peut le payer à moitié prix après Noël? Moi, ça me dérange pas que c'est un calendrier de Noël. Ça, c'est ça. Je me suis commandée le 24 jours de David City. Trop le fun. C'est des petits sachets. Je vais vous montrer. Mais si vous aimez le taste de David City, c'est sûr que vous savez de quoi je parle. En tout cas, exemple, là, 12. J'ouvre celui-là parce que c'est lui que je veux. C'est Sunny-C. Je l'avais jamais goûté. Rayon C, stimulant de l'immunité aux agrumes. Puis, c'est ça, celui-là, il n'y a pas de café. En tout cas, je l'ai bu cette semaine. Je vous jure, ça goûte le ciel. C'est lui que je me fais tout de suite. Là, il m'en restera plus, pas là. Mais c'est trop le fun. C'est un beau calendrier. Il y a des petits rabais, même, dans les petits carrés. Je trouvais ça le fun. Je me suis pris ça, c'est 20$. Puis, je me suis pris aussi le rhume 911 parce que j'en entends beaucoup parler. Donc, je vais me faire ça. Je vous jure, ça goûte le ciel. On dirait comme une journée dans la semaine, j'avais comme mal un petit peu à la gorge. Là. Puis là, ben, c'est probablement l'effet placebo. Mais
Je vous jure, j'avais comme moins mal. J'avais comme même plus mal, c'était comme parti. En tout cas, je mets ça dans ma bouteille que je vous avais montré une fois. Oh! Ici, oh! Ça sent assez bon, là. Mmh. En tout cas, c'est ça, ma petite bouteille rose, là. Je l'adore. Ça dit que chaque sachet, sachet est bon comme pour deux infusions. J'ai probablement trop mis dans la première parce que là, on dirait qu'il m'en reste pas beaucoup. Mais je trouve que ça infuse quand même. Bien. Ça goûte quand même bon, même si on n'en met pas beaucoup, là, d'été. Mais c'est ça. Je vais me vider un bon thé. Là, ça va être... Il va avoir refroidi un peu après mon dîner. So, je pourrais boire ça en même temps que faire mes devoirs. Et là, je suis tout un ange, je m'excuse. Puis, en parlant de ma bouteille, elle garde tellement au chaud, là, comme cette semaine, il y a une journée à l'école, je m'en étais fait un. Ben, dernièrement, je m'en fais pas mal tous les matins. Mais c'est ça, il y a un matin que je suis pas à l'école, ça comme pas donné, que j'ai comme pensé à boire ça. J'apporte ça plus une bouteille d'eau, c'est au lot, on dirait, j'y pense, puis ça, je sais pas pourquoi. Non, je vous jure, j'ai sorti de l'école à midi, j'avais une demi-journée mercredi, j'ai pris une gorgée, c'était encore chaud. Comme c'était pas bouillant comme quand on vient de le faire, là, c'est certain, mais c'était un chaud comme le foin. Tu sais, quand c'est trop bouillant, c'est pas le fun non plus. Là. So, ouais, c'est ça, je vais faire infuser ça, puis je vais aller manger en même temps que écouter une petite vidéo. J'ai vu que Deuxième Pot a sorti une vidéo, donc je vais aller écouter ça. Mes graines de pain. Ok. Rebonjour, on se retrouve dans ma cuisine à 4h30 en pyjama. J'étais en train de parler à maman, j'ai dit mon doux, j'ai dit André, je suis gelée. J'étais en robe, pas de collant, les jambes à l'air, je pouvais bien geler. Sauf là, je me dis, hey, je me gâte, je me mets un beau pyjama de Noël, vous l'avez vu souvent. Regarde, c'est mon pyjama chaud. Puis, je vais aller fermer Rihanna. Puis, ouais, c'est ça. Depuis qu'on s'est parlé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une nouvelle place que j'ai trouvée, c'est genre sous ma hotte. Ça me fait moins mal au bras, mais c'est comme haut. Peut-être que je vous montrerai là. Ouais. Donc, c'est ça. Depuis qu'on s'est parlé, c'est ça, j'avais fini mon projet. Dîner. Moi, je vous ai parlé depuis tantôt. J'essaie de voir la dernière chose que j'ai dit. Mais c'est pas grave. Dans le fond, j'ai terminé un autre petit devoir. J'ai écouté une autre comme capsule. Genre, j'ai plein de capsules à écouter. Après, j'ai travaillé genre 1h30 sur un vlog. So, je vais travailler un petit peu tantôt. Puis, je devrais être bonne pour mettre en ligne demain. Vous l'aurez déjà vu. Mais bref, c'est un de mes vlogs préférés parce que c'est genre, on fait toutes sortes de choses. Puis, vous allez le voir, là, on adore faire ça. C'est goûter au coke de toutes sortes, ben pas de tous les pays, là, mais genre de beaucoup d'endroits. On a ri après. Puis, ouais, non, c'était vraiment le fun, juste de réécouter ça, on dirait, ça fait genre une semaine qu'on est arrivé, mais on s'ennuie déjà. Mais... après, j'ai fini mes lavages, c'est ça, j'en ai plié un autre, j'ai mis un autre dans la laveuse, un qui est en train de sécher sur mon rack parce que moi, je mets jamais mon linge dans la sécheuse. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pensais pas mal ça. Puis là, c'est comme j'ai 4h30, je vais commencer la fondue, ça va être bon. Je pense qu'on va l'écouter sur la table. Puis... ouais, ça fait comme quand j'étais malade, là, dans le temps de Noël, on avait mangé sur la table du salon, la petite table, la super table, puis j'aimais bien ça, là, avec la télé, mais après le soir, j'avais de la misère à marcher. Moi, pour ceux qui me connaissent, vraiment, j'ai comme des problèmes de dos, là, j'ai la scoliose, puis j'ai ça depuis que je suis en 7e année. Mais tu sais, je suis née avec ça, mais je veux dire, depuis la 7e année que je le ressens, genre, dans mon corps.
Mais là, c'est le temps du mois, les femmes. Et quand c'est le temps du mois, et c'est pire. Donc là, j'ai un petit peu de misère. Je vais pas m'aventurer à m'asseoir par terre à soir. Donc, on va manger sur la table, je crois bien. Je vais me faire un beau petit setup. Puis, quand on a la table un petit peu de notre cuisine, on peut écouter la télé. Là, ça va être la fun. Je pense qu'on va écouter un film en même temps. Puis, ce soir, peut-être qu'on continuera, genre, dans la cave. Ou, je sais pas, peut-être qu'on n'écoutera pas. Je vous laisserai des petits updates. Je vous montrerai la cave aussi tantôt. Mais c'est ça, je vais pas vous montrer toute la fondue. Là, parce que c'est joliment les mêmes choses qu'on se fait toujours. Mais je pense pas que je vous avais jamais montré mon... genre le mélange, comme la fondue là, en tant que telle. Donc je vais vous montrer ça. Je voulais tourner, mais je vais vous montrer comme ça. Dans le fond, moi, ma mère a toujours fait ça. Elle a jamais acheté genre une fondue comme... des fondues déjà faites, là, comme des paquets. Elle a toujours utilisé du verre rouge. Un sachet d'oignons, comme qu'on fait notre sauce. Un sachet comme ça. Des échalotes, habituellement, là, comme des oignons verts. Là, j'avais pas d'oignons verts, mais j'ai coupé des oignons rouges. Miracle! Marqué la date. On est le 7 février. J'ai pas pleuré. Comme wow! On est-tu le 7 février ou le 8 février? 7 février, c'est important. Faut écrire la date. Ouais, ça, j'ai pas pleuré. I'm so amazed. So, on va mettre ça là-dedans, ça va faire du goût. Je vais ajouter de l'ail, pas trop. C'est ça, puis le vin, on met pas toute une bouteille complète, mais ça dépend comment vous êtes. On met la moitié environ, puis après on remplit d'eau là, le chaudron. Donc, vin, oignon, comme ça, oignon, ail, eau, des épices... Vous allez avec le feeling. Moi, je vais pas ajouter des épicures. I am. Je parle toujours de ça. Je fais rire mon ami en cause à les représentants d'épicures. Émilie Guérette, si vous en cherchez. I am. Moi, c'est mon préféré. Je mets ça partout. Mes œufs, mes, la fondue, les toutes, les patates, les si, les ça, la viande, tout. J'aime beaucoup aussi ail rouge. Mais bref, j'aime tout là. Ah, j'ai goûté celui-là cette semaine. Chipotle bacon cheddar. C'était vraiment bon. Je m'avais fait un dépôt légumes avec ça. J'avais mis chipotle bacon cheddar, puis ail. C'était bien bon. Donc, j'ai fait ça. Après, je fais mon plateau de légumes, et mes plateaux de viande, mes plateaux de... Peut-on crevette, homard, et oh mon dieu, mon homard, faut que je mette ça à dégeler. Oh mon dieu, faut manger la main. Complètement oublié ça. Ben, si je la mets dans le feu tout de suite, dans l'eau bouillante. Oh mon dieu. Ok, la pièce de résistance, puis on la mangera pas. Oh oui, on va trouver ça bon. Allez, dégeler, je l'ai acheté hier, je l'avais mis à dégeler. Et puis, je nous ai acheté une frette. Des crevettes dans le homard. Dans le cuit dans le jus d'homard. Ah! Bonne nouvelle. C'est... Ça a déjà commencé à dégeler. Je vais mettre dans le bouillon. Dans le bouillon ou dans le froid? Dans le froid. Dans le froid, on fait déjà ça. Je teste le médium, là. J'aurais pas été obligée dans le vélo, là. Froid, Liliane, voyons. Donc, ouais. Après, je vais faire mes petites sauces. Puis, ça va pas mal être ça. Ça va être bon. Vous êtes pas prêts pour ça? Gardez-moi la grosseur de mon piment. Comme, regardez, il est presque aussi gros que ma face. J'ai jamais vu un gros piment de même. Il fallait que je vous le partage. On dirait que ça me tente pas de le couper à force qu'il est beau. C'est
ma minute non pertinente de la journée. Oh. J'aurais dû commencer ma vidéo avant de barrer. Et là, il est 8h30. Puis mes petits yeux commencent déjà à être fatigués. Donc, je ferai pas long feu ce soir. Donc, je pense que je vais terminer le vlog. Parce que là, je m'apprête à nous faire. Parce que ça fait environ 2 heures, on a terminé de fondue. C'était super bon. Francis était content. Je vais nous faire des petits cœurs de Saint-Valentin. On va se le dire. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, la Saint-Valentin, je trouve ça spécial. Je sais que la Saint-Valentin, c'est beaucoup une fête commercialisée, mais moi, dans mon cœur, la Saint-Valentin, ça a tout le temps été spécial, même si j'étais pas en couple ou peu importe. Tu sais, 4 ans passés, comme avant ça, on était avec ma famille, on fêtait ça. Je sais pas, c'est une journée pour dire à ceux qu'on les aime, à nos amis, à notre famille, peu importe. C'est pas juste. Je sais qu'il y en a qui c'était. Qu'il y en a qui n'ont pas personne comme. Ils n'ont pas de blonde, pas de chum, pas de ci, pas de ça. Mais on a toujours notre famille, nos amis. Donc, je trouve que c'est une fête qu'on peut fêter de toute façon. Mais je trouve ça important de souligner ça, moi. Je sais qu'on se fait des dates, puis qu'on dit qu'on s'aime tout le temps. Exemple, mais. Je sais pas, ça fait une petite journée spéciale, puis là on fait des petites attentions qu'on fait pas d'habitude, je sais pas. Puis je trouve que c'est important qu'on se dise qu'on s'apprécie, puis pourquoi, puis on met ça comment. En tout cas, c'est ma petite réflexion du soir, puis c'est ça, comme là, tu sais, c'est pas tout le temps qu'on fait des biscuits plus Burby, mais c'est juste à les occasions qu'il y a. Ça là, c'est l'occasion de la Saint-Valentin. On va manger ça, on va terminer notre petit film. On avait commencé. C'est ça, on avait commencé Wanted. Ouais, c'est ça. Ouf, c'est rare de voir les lumières un petit peu trop fermées. C'est ça parce qu'il est fermé plutôt. Plutôt, excusez. Ouais, ça, on avait commencé Wanted avec Angelina Jolie. Là. J'ai un vieux film, mais je l'avais jamais écouté. Mais je sais pas, on dirait que je trippais pas trop. Là. Ça, on l'a arrêté un petit peu. Puis, comme une gentille blonde, Francis a été gamé. Je lui ai laissé là sa soirée. Moi, je voulais de toute façon terminer un vlog. Et je l'ai terminé. Dépendamment, je vais peut-être le mettre en ligne ce soir, je sais pas. Mais c'est ça. Donc, ouais, terminé un vlog. J'ai fait genre 2 lectures. Là, je voulais commencer à devoir. Mais je pense que je vais arrêter pour ce soir, puis je vais aller manger mes biscuits avec Francis dans la cave, puis on va terminer notre film. Puis ça va être notre premier film dans la cave, c'est notre nouveau sofa. Yay! Je suis excitée. Puis c'est ça, en parlant de la Saint-Valentin, c'est ça, là on se demandait si on faisait quelque chose de spécial, parce qu'on vient d'arriver à Disney, on était comme on peut que ça fasse quelque chose, un super à la maison. Puis là, en même temps, j'étais comme, je vais faire super à la maison à la Saint-Valentin. Après, je vais tout le faire, je vais tout ramasser. Puis toi, après, tu vas aller gamer. Je sais que c'est ça que ça va être, tu sais. Ça, j'ai dit, si on sort de la maison, là, au moins, on est sûr d'avoir une soirée relax les deux, tu sais. Celui-là, il dit, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Il dit, ah ouais, on se paye la traite. Ça, là, on essaie de choisir où est-ce qu'on allait. Il y a un restaurant en ville qu'on va pas souvent parce que c'est ça. C'est comme juste pour les occasions. Ben, il y a du monde qui va là. Tant mieux si vous l'allez là souvent. C'est juste nous, je sais pas, ça donne juste pour des occasions. Puis là, c'est ça, on avait regardé. Il y a un nouveau menu, puis on dirait qu'on tripait pas trop. Ben, c'est correct, c'est juste des choses qu'on dirait qu'on avait déjà mangées. Puis, selon on s'est gardé. Puis là, on était comme. Tu sais-tu quoi? Puis là, les deux, là, on était comme, on va-tu?
haut, puis là, on s'est regardé. Pinocchio. On a dit Pinocchio en même temps et on a ri. Ouais, au Pinocchio à Chipagan. On adore ça, aller là. Puis c'est ça, ça fait un petit bout qu'on n'est pas allé. Je pense, moi, Francis, la dernière fois qu'on est allé ensemble, c'était au mois de mai pour ma collation des grades, là, ma graduation. Puis moi, je suis allée deux fois, je crois, avec des amis cet été. Je suis même... Ah non, la dernière fois que je suis allée, c'est cet automne. J'avais monté à Chipagan pour aller à l'université faire des devoirs. J'avais besoin de quelque chose. Donc, je suis allée le dîner. Mais c'est ça, bref, ouais, on va aller au Pinocchio, je suis toute excitée. On va aller là vendredi. Parce que c'est ça, c'est déjà vendredi la Saint-Valentin. Ça va être le fun. Je serais curieuse de savoir si vous avez des plans avec votre chum, votre blonde, votre famille, vos amis. L'année passée, je pense que c'est une des premières Saint-Valentin que comme je vais être avec Francis comme le 14. Habituellement, je crois que ça donne que je suis avec mes amis. L'année passée, il me semble que j'étais en moins d'une avec Guérette puis Véro. On avait été souper au Rosano, je crois. Avec Val aussi. Je sais pas. En tout cas, je pense que j'étais avec mes amis à Moncton. L'année d'avant ça aussi, j'étais avec Guérette Pana. On s'avait fait une fondue. Oh, good times. Mais non, pour vrai, c'est ça. Donc, c'est comme spécial. On dirait à chaque fois que c'est comme une première. Je suis comme, on est comme, oh my god, c'est notre premier exemple Saint-Valentin à la maison. Là, on est toutes comme, je sais pas. En tout cas, je suis pas mal contente. Bon, c'est ça. Je vais arrêter de jaser pour rien. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une belle semaine. Puis, c'est ça. Bonne semaine de la Saint-Valentin. Je vous souhaite tout plein d'amour. Je vous envoie des bisous pour ce mois de l'amour. Puis, pour vous remercier de toujours être à mon écoute. Ou si vous commencez juste de m'écouter. Merci beaucoup. Je suis contente. Puis, c'est ça. Merci pour vos bons mots. Vous pouvez me laisser des commentaires, j'aime toujours ça. Puis, quoi d'autre? Je voulais-tu rajouter quelque chose? Ah, changement de plan, je vous avais dit qu'on allait à Moncton, mais on va pas aller à la fin parce que ça paraît pas parce qu'il vente, on dirait, mais comme il y a beaucoup de neige, là, c'est sûr que les chemins demain vont être comme mardeux. Donc, ça va me faire une autre belle journée relax à la maison. Je vais aller voir mes parents. Je vais aller voir ma marraine puis mon parent. Je suis pas allée les voir depuis que je suis arrivée de Floride, comme pas donné. Puis j'aimerais aussi aller à l'auberge faire un peu de devoir. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé me suivre dans mon petit ma petite journée, mon petit quotidien comme d'habitude. Puis là-dessus, je vais aller nous faire chauffer des biscuits. Donc à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.